Exactement. Le temps passe super vite. Merci beaucoup, cher public, pour votre accueil chaleureux. Mais avant de vous quitter, on vous quand même propose de voyager avec nous, chez nous, à Marseille, Méditerranée. Ah, on va à Marseille, très bien. C'est pas prévu, il vous gâte, le capitaine aujourd'hui, et l'ensemble des légionnaires. Et tout à l'heure, la garde républicaine, dans un instant, reste avec nous. Nous rappelle Tino Rossi aussi, hein, qui chantait Méditerranée. C'était une opérette, je crois, si je ne m'abuse. Alors, mon capitaine, il y a une meilleure compagnie qui ne se quitte dans quelques instants de la Légion étrangère dont l'on passait à la garde républicaine. Alors, d'où elle vient cette chanson qu'on appelle vulgairement, peut-être, tiens, voilà du boudin. Le Bouddha, c'est pas le Bouddha ce qu'on mange, Bouddha noir, Bouddha blanc. En fait, tout simplement, le manteau qui était, le tissu qui était roulé, il partait par le militaire derrière son dos. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, mon capitaine, pour vous. Merci beaucoup de cette réalisation. Tout ça sous la chaleur. On va juste dire quel est cet engin-là, quand même. Redites-le nous vite fait, mon capitaine. Ça, c'est un instrument. Je peux peut-être vous interroger, vous. Exactement, ça s'appelle chapeau chinois, c'est un vrai instrument, voilà, qui était utilisé par Berlioz dans la symphonie du Funèbre Triumphal. En fait, ça joue assez facile, c'est comme ça. Ouais. Ça vient en fait de Turquie. Le queue de cheval, normalement en Turquie, les traditions, c'est le queue de cheval qui était tué pendant le combat sous le sultan, voilà, sous le chef de guerre. Voilà. Là, du coup, il n'y a personne qui était tué, vous inquiétez pas. Et pour terminer notre obade, voici le Bouddha. Merci, tonnerre d'applaudissements pour la Légion. On va accompagner les légionnaires.
Tiens, voilà du boudin. Vous pouvez applaudir, vous lever, vous pouvez chanter. Tiens, voilà du boudin pour saluer nos amis de la Légion étrangère qui vont partir dans leur casernement, qui vont partir pour certains peut-être. J'espère qu'ils ont des permissions, mais à mon avis, le 14 juillet approche, ils n'en auront pas. Merci beaucoup. Nous allons saluer les partenaires également de cette journée, hein, juste avant d'accueillir, restez vraiment en place, car dans quelques instants, les chevaux vont arriver avec leurs cavaliers, la garde républicaine. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a, je crois, 5 chevaux et cavaliers, et que